Ouais, bon, là j'avoue, j'abusais. Eh bien, salut tout le monde, c'est Winzar, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, pizza blabla, pas forcément de trucs expliqués ou quoi, je vais juste parler un peu pourquoi il n'y a pas de vidéo pendant genre depuis le mois d'août, c'était un peu long. Donc, alors déjà, en vrai, ça m'étonne même pas que je savais que j'allais pas faire trop de vidéos parce que beaucoup de raisons déjà. Donc, déjà, premièrement, il y a eu la rentrée, donc là je suis en études supérieures. Donc, le temps en fait que je trouve un peu le rythme. Que je trouve mon emploi du temps et tout, le rythme, etc. pour quand je peux faire quoi. Donc là, c'est bon, normalement, ça s'est un peu. Ça s'est stabilisé. Donc je pense savoir quand je pourrais faire des vidéos. Voilà. Après, concernant le Discord, j'ai été zéro actif dessus, vraiment, j'ai pas fait grand chose. J'ai juste mis à jour le site quelques fois au mois de septembre. Octobre, j'ai mis à jour une fois, genre juste des mises à jour pour mon TGC Game, c'est tout. Et sinon, après, j'ai pas tant répondu au message que ça parce que j'avais pas envie. Donc là, en fait, je fais cette vidéo, c'est pour mettre quelques points au clair parce que faut vraiment que je mette un peu au clair sur la chaîne et le Discord parce que c'est trop flou ce que je fais et c'est pas assez régulier. Donc je vais essayer de mettre à jour tout ça là, vous expliquer un peu tout. Donc déjà, pour commencer, on va parler en premier temps du Discord un petit peu. Donc déjà, en ce moment, à le gérer, je suis tout seul. J'ai 2-3 admins, etc. Mais bon, c'est moi qui fais tout principalement sur le Discord. Et j'avoue, c'est un peu chiant, je veux dire, de tout faire. Ensuite, concernant le site crack, c'est que déjà, j'ai plus trop d'idées de jeux à mettre dessus. Pour aller voir ce qu'il y a dessus, mais plus trop d'idées. Parce qu'en fait, je veux mettre surtout des jeux qui sont un peu comment dire, à la mode. Donc, que beaucoup de gens veulent à un moment donné. Donc, par exemple, le jeu de cartes Pokémon qui avait sorti il y a pas longtemps, là. Ça, c'était un peu la hype. Mais sinon, à part ça, je sais pas trop quoi faire dessus de plus. Là, je vais réfléchir, je vais essayer de trouver, mettre des trucs à jour. Ensuite, pourquoi je le mets pas à jour plus souvent, même le Discord? Ah, c'est que déjà, j'y pense pas. En fait, si je fais un truc, j'oublie après de le mettre à jour, etc. Ensuite, avec les cours et tout, j'oublie encore plus. Et puis même, des fois, j'ai pas l'envie. Des fois, genre, je me dis, bon, ça rend un peu à rien ce que je fais. Je sais que je me répète un peu, j'ai déjà dit plein de fois, genre, chose, mais je vais essayer de m'y mettre au Discord. S'il faut que je trouve en fait le déclic, en fait, c'est juste ça. Au moment où je trouverai où vraiment j'ai envie de tout faire, je le ferai. Mais là, je vais essayer de surtout me reconcentrer sur YouTube parce que c'est ce qui m'intéresse un peu plus que Discord. Parce que Discord, c'est surtout pour vous en fait, je fais ça. C'est même pas pour moi, c'est pour les gens en fait. Que bon, je sais que les cracks, il y a plein de gens qui veulent des jeux sans payer, voilà, qu'il y en a qui peuvent pas payer, etc. C'est surtout pour ça que je fais ça. Et pour vous aider aussi, par exemple, il n'y a pas que des jeux, il y a des logiciels, etc. Mais voilà, surtout pour aider les gens. Donc le Discord, c'est pas ma priorité pour le moment. Je vais essayer de m'y mettre un peu. Et si vous voulez, demandez-moi pour être admin, m'aider pour le site et tout. Je vais essayer de trouver des gens, alors je vais voir comment je fais, on va voir. Donc ça, c'est pas forcément ma priorité. Ensuite, on va parler du plus important, donc de YouTube. Alors YouTube, le problème en ce moment, c'est que j'ai envie de faire des trucs, mais justement, j'ai envie de faire trop de trucs. C'est qu'en fait, je sais pas me concentrer que sur un truc, et je pense pas que je ferai qu'un seul sujet. Par exemple, que sur Genshin. On va prendre l'exemple Genshin parce que c'est un jeu que je joue le plus. Je me vois pas faire une chaîne que sur Genshin, parce que je sais que je vais me lasser au bon moment, et que j'aurai envie de parler d'autres choses. Et le problème, c'est justement ça en fait, c'est que est-ce que je me lance sur un sujet ou je continue comme ça? Parce que si je continue comme ça, c'est pas forcément le meilleur moyen d'attirer les gens, je trouve. Parce que si tu fais plein de trucs différents, même trop, ça risque de juste pas attirer les gens quoi. Les gens, généralement, ils sont youtubeurs, c'est pour suivre quelqu'un, c'est pour regarder le même truc, le même type entre guillemets de contenu à chaque fois. Et c'est vrai que moi, je fais, quand on voit bien, je fais des vidéos depuis un petit moment, j'ai tout le temps changé, mais ça tournait toujours principalement au jeu de jeux vidéo, ou de l'informatique en tout cas. Donc moi, perso YouTube là, ce que je veux faire pour le moment, c'est que du jeu. Donc tout ce qui est tuto, je pense pas en refaire, parce que comme vous l'avez vu, je sais pas trop. Les serveurs privés Genshin, est-ce que je vais en refaire? Je pense pas. Ça fait des vues, c'est les trucs qui font le plus de vues sur ma chaîne, ça je l'ai vu. Mais est-ce que ça m'intéresse vraiment? À la limite en fait, ce que je ferai je pense, c'est que je ferai une vidéo non répertoriée, que je la mettrai sur Discord, et comme ça vous l'aurez, mais je pense pas forcément en faire. Voilà. Après, ce qui concerne les jeux, moi je pense surtout faire ça, des jeux, de tout sur les jeux. En fait, même moi je sais pas quoi faire exactement. Je sais que je vais faire des vidéos Genshin, des invocations, des showcases. Là, je vois à mort à Black Ops 6, et ça sera sûrement ma prochaine vidéo sur Black Ops 6. J'ai grind comme un gros malade. Donc je pense que ma prochaine vidéo, ça sera sur ça. Et en fait, j'ai envie juste de jouer à des jeux en vidéo, de vous montrer des trucs en tout cas, de vous montrer des jeux. Ce que je fais, etc. Voilà. Je ferai peut-être aussi des vidéos sur Fortnite OG, parce qu'il sort nouveau là. Donc, je pense arrêter tout ce qui est tuto là sur YouTube. Je vais arrêter les tutos parce que c'est vraiment un truc qui me. Mais en fait, ça n'a pas de sens de faire du gaming juste à côté des tutos.
parce que les tutos c'est un peu 2016 quoi. Et après je me vois plus faire des tutos en mélangeant tuto et vidéo gaming, des trucs comme ça. Je me vois plus le faire en fait. Donc je pense, bah ça va juste partir sur du jeu, je pense, ma chaîne, principalement. Et après à voir si je peux faire autre chose, mais moi je pense juste faire du jeu, c'est tout, genre du gaming quoi en fait, du jeu. Faire découvrir des trucs, pas forcément même, plus de tutos, plus de genre des trucs, des glitches, des cracks, etc. Ça je pense arrêter totalement. Mais sur mon Discord, ça c'est encore, ça y sera encore, c'est sûr. Mais sur YouTube, je pense pas. Je pense faire que du jeu, montrer soit mon niveau ou des jeux, même des jeux d'horreur, ça me plairait bien de faire des petits jeux d'horreur. Ou même des let's play, des trucs comme ça, je pense que c'est ce que je vais faire beaucoup. Mais le problème c'est que, est-ce que ça va être bien de mélanger plusieurs jeux? C'est ça en fait, je me pose vraiment la question, est-ce que ça va plaire aux gens? Bon, je verrai bien, de toute façon, je fais pas forcément ça pour les vues, c'est juste parce qu'on veut de l'aimer, c'est tout, ça me plaît. Ensuite, concernant TikTok, j'avais dit que je ferais TikTok, au final j'en ai pas fait. Je vais essayer, c'est... En fait ça me plairait, mais j'ai pas d'inspi, c'est juste l'inspi qui me manque en fait, c'est surtout ça le problème. Donc j'essaierai, je trouverai bien si je trouve un truc, ou en même temps je mettrai tous mes liens en description. J'aimerais aussi, en fait, être actif un peu partout, genre sur Twitter aussi, j'aimerais bien être actif. Je vais essayer, je vais voir dans les jours qui viennent après la vidéo elle, qui est sortie. J'essaierai de checker tout ça, de toute façon je dirai tout sur Discord. Ça c'est vraiment, Discord je pense un endroit le plus important où il faut aller. Donc il y aura le lien en description, n'hésitez pas à le rejoindre. Ensuite, autant qu'on mette les trucs au clair, qu'on mette tout au clair maintenant, les lives, je pense pas en refaire. C'est pas un truc qui m'intéresse live. Parce qu'en fait, je pense pas que je peux... En fait, je suis pas fort pour ça, genre divertir... pendant que je sais pas combien d'heures de live, moi je suis un peu voilà, je suis dans le jeu en fait, donc je pense pas que les lives c'est un truc pour moi. Si je devrais faire des lives, ça serait s'il y a des gros événements, des trucs comme ça, voilà, des trucs qu'on peut réagir en direct, pas forcément des lives quotidiens, genre non, ça c'est pas un truc qui m'intéresse. Donc moi je serais toujours basé sur les vidéos, je pense, et sur Discord. En fait, je veux que Discord et YouTube soient vraiment deux trucs différents. C'est Discord, c'est vraiment tout ce que j'aimerais faire sur YouTube, mais que je peux entre guillemets pas trop faire, donc tout ce qui est crack, glitch, tout ça, j'aimerais faire tout ça sur Discord, mais pas sur YouTube. YouTube, j'aimerais vraiment juste faire jeux et vidéos, entre guillemets, un peu kagi, quoi. C'est tout. Donc, pour tout ça, je pense avoir tout dit. On va un peu résumer. Donc, YouTube, que des vidéos gaming. Peu de vidéos tuto crack. Ensuite, TikTok, je vais essayer de m'y remettre. Twitter, je vais essayer de m'y mettre aussi. Twitch, ça sera pas. Et voilà. Ensuite, j'essaye d'améliorer un peu mes vidéos. Dans le sens où, bah, déjà, j'utilise plus... Avant, j'utilisais CapCut. Là, j'utilise DaVinci Resolve. Donc, c'est pas forcément très dur. Mais c'est qu'il faut le temps que je m'apprenne, c'est le temps que je m'habitue. Par exemple, genre le petit moment du début de la vidéo, j'ai dû faire 30 minutes à le faire. Parce que je savais pas trop utiliser. Donc je vais utiliser que ça maintenant, je vais arrêter CapCut, les trucs faciles et tout. J'essaie de faire un truc plus clean. Et bah d'ailleurs ça se verra que c'est plus clean. Là c'est du blabla, donc je ferai pas trop de montage, mais qu'un roi du gaming peut-être aura plus de montage. Mais après je suis pas quelqu'un basé montage, hein. C'est surtout moi c'est en fait le truc que j'aimerais bien faire, c'est les vidéos qu'on met à côté juste pour peut-être écouter ou regarder en jouant à un jeu. Voilà, c'est pas des vidéos où vraiment faut être bien dedans. Donc après, qu'est-ce que j'ai à dire? Pas grand chose, juste ben voilà, j'étais absent et j'ai fait des trucs, voilà. Donc là donc je vais essayer de revenir. La prochaine vidéo va bientôt arriver, je pense, ça sera sur Black Ops 6. Peut-être une vidéo sur Genshin aussi, sur la prochaine mise à jour, si je pull un nouveau perso. Peut-être des showcase aussi, je vais faire la vidéo showcase il y a un petit moment. Et j'essaierai de vous montrer quelques jeux que j'aime bien. Et voilà. Donc il y aura des petits vidéos gaming qui arriveront par-ci par-là, voilà. Surtout du gaming, voilà. C'est moi ce que je veux surtout m'approprier. Bah en vrai, je pense avoir tout dit. J'ai pas grand chose à dire de plus, déjà la vidéo est un peu longue pour du blabla, j'ai pas envie de débiter non plus toute ma vie. Mais voilà, je vais essayer de revenir, je vais essayer de refaire des trucs, on va voir si ça va plaire. Donc n'hésitez vraiment pas, ça c'est, j'insiste, le Discord, c'est là où je vous parlerai plus, où je suis entre guillemets le plus actif, où je peux vous répondre le plus. Je cherche des gens, s'il y a des gens qui veulent m'aider pour le Discord, pour même les vidéos, des miniatures, des trucs et tout, n'hésitez pas à venir, on pourra parler de ça. Et voilà. Donc donc comme je le répète, prochaine vidéo bientôt. Je vais essayer de faire quelques trucs de nouveau et voilà. Donc là je vais essayer d'apprendre bien utiliser le logiciel de montage. Et voilà. Bon, là, c'est une petite vidéo courte. J'espère que vous avez écouté jusqu'au bout et merci. Regardez bien la description, je mettrai tous les liens qu'il faut pour tous les trucs. Donc le moment sur la vidéo, je pense que ça sera un vendredi ou un samedi. Ou un jeudi peut-être, je sais plus trop. Je verrai bien dans la semaine quand j'aurai fini. Le montage et tout. Et voilà, sinon pas plus, j'ai pas plus grand chose à vous dire, merci d'avoir écouté. On se retrouve pour une prochaine vidéo, et voilà, et comme toujours, bye bye.